go. Fait que là, j'avais du tabasco dans l'urètre. Non, on dit malade. Alex, je voulais te demander. Quoi? Hier soir, là, la petite blonde, là, finalement, t'avais une touche avec. Des lunettes carrées. Des lunettes punkées, ouais. Ouais, ça s'est passé. Ça s'est passé. Bon, chien, non. Mais j'étais chaud comme un rond de poil, j'étais vrai que c'était pas ma meilleure performance, Kev. J'étais pas Ça arrive. Mais c'est pas ça le pire. 3 shots de Jameson, s'il vous plaît, mademoiselle. Cheers. Tu t'es pas encore pété le frein. Ah! Pourquoi tu dis ça, man? C'est pas aussi pire que ça, là, mais tu sais, hier, là, j'ai fait un double au resto. Ouais. Entre les deux, on avait le yoga show. Yoga show! T'es calme. Après ça, pour vrai, j'ai manqué le bus, j'étais pas supposé d'aller au bar, tout allait fucking mal. Tu m'as texté, t'étais dans Rosemont, j'ai pas le temps d'en passer chez nous. Je me suis pointé là de même, man. Pas prêt, pas frais. Tu devais sentir l'air enfumé de quoi, là? L'air enfumé, man, je chantais la petite crevette, je chantais le tartare de saumon avarié. Ça allait vraiment fucking mal. C'est que t'as fait, mon chum? J'ai fait, que j'ai fait. Après toi, que j'ai fait. C'est tous les gars auraient fait, man. Un pénis lavabo! Un quoi? Moi ça, tu me l'as dit. Pénis lavabo. Pénis lavabo! Voyons, Kev! Je disais, tout le monde fait des pénis lavabo, là. Les filles se passent une lingette aussi, là. Tu viens de où, toi? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu vas m'expliquer c'est quoi? Tu veux que je t'explique c'est quoi? Tu veux que je t'explique c'est quoi? Je vais te le compter certain. Ok. Deux autres Jameson! J'ai pas gagné l'air, mademoiselle, excuse-moi. C'est parti. Quand tu rentres chez la fille, dans sa salle de bain, tu perds pas une seule seconde, OK? La recherche s'active. Revitalisage, shampoing fortifiant. Prends ta dasse si ça se trouve, Kev, je m'en sac. OK? Tu shampoines bien le porto du gland. La petite peau, là. Ouais, tu baisses la petite peau, Sphinx? Parce que moi, j'en ai pas, je sais pas, là. Tu me lances ça de même? T'as pas de petite peau? Ben non. T'as pas de petite peau? T'as pas de petite peau? T'as pas de petite peau? Yes! Ça fait 15 ans, je me tiens que toi, t'as pas de petite peau. Mais anyway, une fois qu'il est bien moussé, bien enduit de lavande ou de L'Oréal Kids, t'es prêt. Tu le laisses comme ça un peu macéré, OK? OK. Après ça, c'est important, faut que tu l'humidifies, que tu le rinces au tiède. Au tiède? Prends des notes, t'as-tu un calepin? Dans ton sel. Une fois que c'est bien rincé, faut que t'assèches. Parce que si tu laisses ça, ils vont avoir un petit spot, un alvéole dans tes boxeurs mouillés, tu veux pas ça. Non. La fille va dire, tu fais de pipi parce qu'il riait trop fort, y a-tu le liquide pré-éjaculatoire? Non! Tu sèches, sèches, sèches comme ton ex. Après ça, le test, Kevin. Tu sens. Exact. Touk, touk, touk. Pouk, pouk, pouk. Touk, touk, touk. Pouk, pouk, pouk. Plus creux un peu. Tu le rentres. OK. C'est bon? Pocheton aussi, là. Les couilles, non! Non. Il ira pas là, c'est un one night. Tu te concentres sur la tige et le casque. Le casque. Une fois que t'as senti que t'es satisfait, t'as confiance en toi, tu y vas. Fait que là, man, ça s'est passé sur un moyen temps. Je l'ai pogné comme du monde. Ah, j'ai dit ah! Il était monté comme un bloc Lego, man. Oh mon dieu! Ah, je l'ai déballé comme un cadeau de Noël. Chanceux, je dirais pas. Je pense qu'il va rentrer le job le matin. Le pocheton dans le sac. Le sac. Qu'est-ce que je fais avec ça? Non, Kevin. Non? C'est pas si important que ça, sais-tu? Pourtant. Ben, le sexe oral, le premier soir, c'est souvent brouillon. Tu sais, c'est un peu secondaire. Mais l'affaire, c'est que la fille, tu sais, elle ira pas là. Elle a pris du Jameson comme tout, puis elle veut juste pif-paf dans la pantoufle, puis elle veut juste compter ses mythes filles autour d'un cosmo, que c'était bon, mais ce sera pas si bon que ça, finalement. OK. Cheers. Cheers. Ah. Ma mère est sur Facebook, on va faire l'option bloquer. Tu peux bloquer? Ma mère est prête pour l'FBI, elle me suit maintenant sur Instagram dans mes stories. Fait qu'elle vient me chercher, puis elle est comme, t'as pris congé à la job hier? 200 pièces à moins. Je vais avoir 27 ans dans un mois, hostie, je perds mes cheveux, je peux-tu gérer mon budget que j'ai pas?